Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Fyler. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, première écoute du nouvel EP, enfin du premier EP d'ailleurs, mais voilà, c'est quand même un nouvel EP. Donc du premier EP de Bolé MVN. Alors je sais pas prononcer son blush, je suis désolé encore une fois. C'est comme la première écoute de Bramso, je ne connaissais pas non plus vraiment son blaze avant qu'il le dise lui-même. Donc je vais peut-être le découvrir également dans cette vidéo, mais c'est pas grave, j'aime bien découvrir des artistes comme ça ensemble, ça fait plaisir aussi. Boleman, on peut peut-être l'appeler comme ça, je ne sais pas, c'est peut-être ça. Aujourd'hui il sort son premier EP, donc il sort le 7 novembre 2018. Il y a 7 titres, il y a 2 bonus tracks dedans. Kelvi, c'est pas une faute de frappe non plus, c'est parce que c'est calculé et du coup avec Kelvi ça fait 7 lettres également. Donc voilà, en fait il vient du bâtiment 7, tout ça, donc il a fait 7 freestyles avant de sortir ça. Donc voilà, c'est gars du 7, tout ça, donc forcément voilà, là il commence à dépasser les millions de vues et tout sur ses clips. Sur les vues, sur ses freestyles, etc. Donc, il commence un petit peu à se faire connaître, donc ça fait plaisir. On va voir ce que ça donne ensemble. Moi, je vais le découvrir avec vous, pour être totalement franc. Donc, on va écouter ça tout de suite. C'est parti. On va commencer avec Mauvaise Intro. Et tous les sons que je vais vous passer, évidemment, je peux pas les mettre en entier, comme je le répète à chaque fois, mais je peux mettre que 15 secondes maximum parce que sinon j'ai des problèmes de copyright, mais moi j'écoute les sons en entier. C'est pas non plus une analyse d'EP ou d'album ou quoi que ce soit, c'est juste ma première écoute, ma réaction à chaud, ce que je pense à chaud et ce que je vais dire dans la vidéo, c'est que mon avis, donc ça n'engage que moi et voilà, c'est un avis à respecter tout simplement. Premier son de son EP, c'est Mauvaise Intro, c'est parti. Ok, alors dans ce premier son du coup c'est mauvaise intro. Alors moi je trouve pas que ça soit une mauvaise intro en soi, mais honnêtement c'est plutôt correct, c'est plutôt pas mal. Ça casse pas des bouches, mais bon c'est un peu l'intro aussi, donc voilà, pour l'instant on se calme. Mais il y a un changement de flow, enfin il y a peut-être voilà, enfin un changement de flow dans le son et tout, donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal dans l'ensemble et tout. Après ça casse pas des bouches, mais on va voir par la suite, mais pour l'instant je trouve ce premier son ok. Deuxième son, c'est ok, je m'attendais à tout sauf Christophe Colomb, mais ok, d'accord. Alors j'aime beaucoup ce son, pour l'instant c'est l'un de mes préférés. Bon, c'est le deuxième son hein, évidemment, mais pour l'instant c'est l'un de mes préférés je pense de l'EP. Mais vraiment super cool ce son, très posé, très chill, mais en même temps ouais, ça ambiance bien et tout. Moi j'aime beaucoup ce type de son, je suis très friand de ce type de son. D'ailleurs j'ai pas parlé, mais je vous l'ai mis en tout début, mais j'ai pas parlé de la pochette de son EP qui est vraiment ultra cool. Bravo à... parce que là ça a été fait par un illustrateur, une illustratrice, mais bravo, franchement super lourd cette illustration, très très cool avec tous les buildings et tout comme ça, chapeau à celui qui a fait, ou celle qui a fait ce visuel de l'EP. Ça fait super plaisir de voir des trucs comme ça. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est illustration, donc c'est cool de voir de plus en plus de ça, parce que par exemple avec Walid, donc sa mixtape Fœtus, j'avais l'illustratrice qui était venue me parler dans les commentaires, enfin qui s'était manifestée dans les commentaires et tout, et quand je suis allé voir son Instagram, bah c'était bien elle et tout. Donc super content qu'elle ait vu la vidéo déjà, et que elle a eu des retours sur son illustration, et moi je lui ai dit que je kiffais. Donc voilà, encore une fois là je le redis, moi j'aime beaucoup l'illustration, donc bravo à celui ou celle qui a fait ça, qui a fait ce boulot. Bref, troisième son de l'EP, pardon, c'est A Boy. Oh my God. Maintenant que j'ai dû passer 0,9 en fait pour dessiner
Alors j'aime beaucoup beaucoup encore une fois ce son, comme le précédent. Le rythme et le flow, c'est vraiment très très speed, tu vois, genre, mais pff, il pose super bien sur la prod, il n'y a pas de décalage ni rien, c'est ultra propre. La prod est très 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 cool aussi. Tu sais, ça en fait ça fait vraiment penser, enfin l'EP et tout, comme ça là. Ça fait vraiment penser à du Kobalade, bon en même temps ils traînent ensemble, ils sont ensemble, Seven Banks, tout ça. Ouais, ça fait vraiment penser à Kobalade et avec, on avait fait la première écoute, d'ailleurs que je vous invite à aller regarder la vidéo si vous n'avez pas fait, la première écoute de Seth, de son album bah, du coup de Kobalade, qui s'appelle Seth. Je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo que j'avais fait avec un beatmaker, donc Sweetone. Et on avait vraiment vraiment bien aimé son projet, donc franchement, voilà, là j'aime vraiment bien aussi le délire, franchement moi je valide. On va passer au son numéro 4 qui est local. Énervé comme un bâtiment, les véganes qui se tordent à mort. On veut rien savoir même si les queues veulent dire un mot. Les voisins sont fâchés mais le business fonctionne encore. J'ai cassé ma c'est ma force dans ton... D'accord, alors ouais, ce son, je le mettrais un petit peu dans la même catégorie que bah, celui d'avant, juste celui d'avant, Hey Boy, parce que bah, le flow, il est encore une fois très très speed. Il y a un petit refrain, pareil, un petit peu chanté et tout. Par contre, dans ce son, il met des bonnes punchlines, honnêtement. Ça, c'est vraiment vraiment cool. Donc, ouais, moi j'aime bien, pareil, encore très très. Enfin, ça bouge un petit peu la tête, tu vois, comme ça. On va passer au prochain son qui est Monnaie. Monnaie, 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 aucune invention que des photos commis. Y'a dans les poches qui m'empêchent d'être forgé. J'ai pleuré des chèques grâce à mes scores sur ma vie. En bas, on a fait le trafic. Avec tout ce que je vois, personne dans la carte. On a mal dedans, même si on est dans des plans mauvais. Ouais, moi j'aime bien, ce son, la prod, petit plus pour la prod, honnêtement, j'aime vraiment bien ce petit côté un petit peu atmosphérique, comme ça, là, je sais pas comment dire, mais vraiment, vraiment cool ce petit son. Alors, faut savoir que dans l'EP, enfin, en fait, il y a que l'intro qui est très longue, enfin, qui fait 4 minutes 20, sinon tout le reste, c'est vraiment bah, 3 minutes, 3 minutes, 2 minutes 20, 2 minutes 17, 2 minutes 30, 2 minutes 15. Donc en gros, la moyenne ça doit être 2 minutes 30, tu vois, à peu près. Mais voilà, c'est normal, c'est un EP après aussi, donc voilà. Prochain son, c'est Nathalie. Nathalie, on sait pas que ça va niquer ma vie. Nathalie, on sait pas que ça va niquer ma vie. Nathalie, on sait pas que ça va niquer ma vie. Ok, alors je pense que ça, c'est vraiment le son, bon, mon son préféré de son EP. Il y a une bête d'histoire, vraiment il raconte cette bête d'histoire, tu vois. Le sujet est super intéressant, la prod elle est ultra cool. C'est très posé, très chill quand même quand il raconte l'histoire et il s'accorde, enfin le flow il va totalement avec la prod, tout ça. Donc tout est validé pour moi dans ce son. Il est pas trop long, tout bien. Donc ouais, ça c'est un son rapide, efficace. Moi, comme je les aime, et vraiment, ouais, c'est l'un de mes sons préférés de son EP, c'est sûr. Maintenant, on passe au 7e son. C'est parti, Kelvi. Kelvi. Ouais, ok, alors à la fin, c'est vraiment chantonné de fou. Enfin, il chante, mais vraiment, enfin, tu vois, genre avec de l'autotune, bien sûr, mais voilà. Alors, c'est surtout, je pense, enfin, c'est vraiment un morceau très introspectif sur sa vie et il se livre pas mal dans ce morceau et dans celui d'avant aussi, et même dans son EP, il se livre quand même pas mal, donc c'est vraiment cool, je trouve. Il raconte voilà, ce qu'il vit, ce qu'il a vécu et tout, tu vois, normal, mais vraiment très très intéressant, encore une fois, ce son aussi, donc ouais. Très très cool, ça change un petit peu et moi j'aime vraiment bien ce son. On va passer au prochain qui est Carrément Gang, donc on va passer sur les deux bonus tracks, c'est parti, Carrément Gang. D'accord, alors ouais j'aime bien ce son aussi. On parle de voilà, Carrément Gang, évidemment, tout est dans le titre, mais ouais, j'ai pas grand chose à dire sur ce son parce que voilà, je le trouve assez classique quand même,
Mais très très cool aussi, parce que voilà, il parle toujours aussi de sa vie et tout, donc on en apprend un peu plus. Moi, en tout cas, personnellement, qui ne le connais pas très bien. Et donc c'est cool, moi c'est super cool. Dernier son de son EP maintenant qui s'appelle Lélé, c'est parti. Ok, alors ouais, je m'attendais pas, je m'en bats Lélé. Enfin, je me dis, qu'est-ce qu'il va faire avec le mot Lélé, c'est un peu bizarre et tout, voilà. Ok, d'accord, il a fait ça. J'aime bien, c'est un de mes sons préférés aussi, je pense, de son EP, même si c'est un bonus track. Ouais, très très propre. C'est pareil, c'est la top line, tu vois, elle rentre assez vite, je m'en bats les Lélé, voilà, machin et tout. Donc, c'est très très cool, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que le son, il est quand même court, mais très très bien aussi, des bonnes punchlines et tout, donc toujours il raconte un petit peu son histoire, donc moi je trouve le projet très très cool pour débriefer, je trouve que le projet est vraiment bien. Ceux qui aiment bien cobalader ou un petit peu ce délire là, ma face par ça, tout ça, ils vont kiffer, hein. Franchement, je pense qu'ils vont bien aimer cette EP. Et il a aussi un petit peu quand même, il arrive à se démarquer, il a un petit peu quand même, enfin voilà, son délire à lui, donc c'est aussi cool, je trouve. Et moi j'aime bien, en tout cas, pour mettre une note, je mettrais, je dirais, 15,5, 15 ou 15,5, parce que, bah voilà, c'est un EP, tu vois, aussi, donc un EP ne peut pas être parfait, mais honnêtement, moi je trouve très très cool, il n'y a pas de feat, dommage, donc c'est pour ça aussi, voilà, des fois ça peut paraître peut-être un peu répétitif par un moment, mais comme il y a peu de sons aussi, vu que c'est un EP, bah ça va, il aurait fait ça sur tout un album, ça aurait été peut-être un peu plus chaud, mais voilà, moi je trouve que c'est bien, et 15 c'est quand même une bonne note, donc voilà, moi j'aime bien en tout cas, donc donnez-moi votre avis vous dans les commentaires, ça me ferait super plaisir, vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube, ça ferait super plaisir, donnez-moi vraiment votre top 3 de cette EP dans les commentaires, ça ferait, voilà, ça serait cool. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu à la vidéo et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye tout le monde.